Salut salut, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une vidéo rangement, tri, organisation. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, un peu tri, vraiment en mode vlog, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait, hein. On y va dès le début, comme ça c'est fait. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu mon deuxième étage en fait, qui est un étage dessiné qu'à mes petites choses à moi, tout mon bazar. Enfin, ça sert aussi de bureau pour mon mari, mais c'est surtout mon bazar. Donc, il y a quand même beaucoup de bazar et j'ai bien envie de tout ranger, tout réorganiser, que ce soit un petit peu plus propre, faire du tri au passage parce que bah c'est nécessaire. Et j'avais envie de vous emmener avec moi pendant ce rangement, ce tri. Je vous précise que ça va pas durer sur une journée parce que j'ai 3 enfants et que forcément je peux pas trier tout d'un coup en mode toute la journée dessus. Donc je vais faire une partie aujourd'hui et puis je vous retrouverai à un autre moment je pense pour vous faire la suite de cette vidéo. Comme ça vous verrez le tout hein, en mode accéléré etc. Je vous montrerai aussi je pense à la fin les petits trucs que j'ai triés, que je vais mettre de côté, que je vais soit donner soit vendre sur Vinted parce que moi ça m'arrive souvent de vendre sur Vinted. Et là il est vraiment temps de faire du tri, de ranger. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand c'est le bazar autour de moi, parce que bah on cumule, on pose. Moi j'ai tendance à faire ça hein, aussi. Dès que je reçois un colis, je le pose, je dis je verrai ça plus tard et tout. Et ben bah, quand on cumule, après c'est le bazar et j'ai l'impression que dans ma tête ça va pas. Donc là je sens qu'il est temps de faire un petit rangement, un petit tri, de réorganiser pour que aussi là ça aille mieux et pour repartir après sur des bonnes vibes. Donc j'avais envie de faire ça avec vous. N'hésitez pas à mettre cette vidéo et après vous aussi filez ranger. Non je rigole. Faites comme vous le sentez, mais en tout cas vous me direz ce que vous en pensez si vous aussi vous êtes comme moi à vouloir ranger quand c'est le bazar et que vous sentez que vous en avez besoin vous aussi, parce que voilà c'est ça le truc, c'est que des fois on en a besoin. Et là j'ai besoin de trier, j'ai besoin de ranger, j'ai besoin d'organiser et que ce soit un peu en mode clean. Alors est-ce que je vais y arriver? Croisons les doigts. Est-ce que ça va être un peu, je regarde un peu partout autour de moi parce que je vois tout le bazar autour de moi. Est-ce que je vais réussir à avoir un truc un peu clean? On va essayer. Après je donne aussi à Emmaüs parfois les choses, je donne aux copines, je vends comme je vous le désire. Donc je vous montrerai un petit peu à la fin tout ce que je vais vendre, tout ce que je vais peut-être mettre de côté, donner. Et si je donne pas aux copines, bah, je donnerai à Emmaüs. Ou voilà, je vous montrerai un peu la récolte de la fin si ça vous dit. Et le résultat de cette pièce là, comme ça vous aurez en mode un petit tour aussi de la pièce. Donc sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Puis on se retrouvera à la fin, sûrement pas avec la même tête hein, puisque je pense que je ferai ça sur plusieurs jours. Quand je monte mon étage et que j'arrive par les escaliers, voici ma vue. Vous constatez déjà qu'il y a pas mal de bazar. Alors, mon mari travaille ici et du coup, bah, lui aussi, il a mis ses petites choses aussi, ses petites affaires. Mais il y a quand même pas mal de trucs hein, qui traînent, qu'il faut ranger. Ça, c'est ce que je viens d'ouvrir dans une vidéo. Et voilà, ça, il faut que je le range. Voilà, on a acheté une nouvelle chaise d'ailleurs de bureau. C'est mon mari qui l'a acheté chez Ikea et elle est vraiment pas mal. Elle est assez confort parce qu'il travaille énormément ici. Du coup, bah, il a investi dans une chaise un petit peu plus haute qualité. Là, j'aimerais tout enlever, nettoyer, un peu, comment dire, rafraîchir, changer des choses. Là-bas, clairement, vous voyez que le canapé, bah, il a été investi. Hein. Ça, c'est une vidéo que je dois faire, donc j'ai mis de côté. Voilà, voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses cumulées, il y a beaucoup de choses qu'il faut que je range et il est temps! Thank you.
rangement, je me suis commandé ce petit chose là que j'ai reçu du quelques jours après. Et le voici. Et j'ai décidé d'installer un petit frigo. Oui, je suis dans le cliché. Un petit frigo rose à l'étage. Je sais pas où je vais l'installer dans ma pièce. Alors là, gros dilemme, mais j'avais envie d'y mettre à l'intérieur tous mes masques pour le visage, toutes les pierres de jade, etc. que j'ai, et de me dire, bah voilà, une fois par semaine, je viens à l'étage me faire un mode cocooning, un mode spa, pourquoi pas. Et mon mari qui travaille ici parce qu'il a sa petite partie bureau, bah lui, il pourra mettre peut-être une petite boisson fraîche pour pouvoir la boire de temps en temps comme ça ici, ça peut être pas mal. J'ai trouvé ça pour information chez Darty si ça vous intéresse. Je l'ai commandé, je l'ai reçu au bout de 2-3 jours, c'était hyper rapide. Et sachez que ça passe avec Poulpeo, donc si vous commandez sur le site Darty et que vous passez par le lien Poulpeo, bah vous gagnez des petits sous-sous. Je vous remets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse, mais voilà. Donc il était à moins de 40 €, et j'en voulais un depuis très longtemps. Je sais qu'il y en avait à un moment donné chez Jiffy pour pas cher et tout. Bon, je vous avoue que je m'attendais à quelque chose de plus lourd et de plus grand, hein, mais bon. Donc je dois lui trouver une place ici maintenant. Bon, je sais pas si je le mettrai derrière dans mon fond. Je sais pas du tout. Je vais voir. Il y a encore pas mal de bazar là-bas. Donc vous allez le voir en installation. Vous allez voir comment je vais le remplir. Je pense que je vais vous montrer tout ça. Mais je suis contente de mon petit cadeau à moi-même. Je vous retrouve dans la suite de ce vlog rangement de ma pièce tout en haut, tout en haut, tout en haut. Honnêtement, c'est quelques semaines après. Tellement j'ai fait ça par petits bouts, une heure par-ci, une heure par-là, une heure par-ci. J'allais pas filmer à chaque fois. Mais j'ai effectué un bon tri et j'ai déjà vendu sur Vinted une grosse partie de toutes les palettes et les choses que j'ai triées. Évidemment, je pense que je vais retrier encore à la rentrée de septembre ou en octobre, un truc comme ça. J'aime bien faire du tri régulièrement. Et je suis assez contente du rangement dans cette pièce, c'est pas encore parfait, mais j'ai pas mal bossé je trouve. Je vais vous remontrer du coup le global, le final, et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires surtout, comment vous trouvez maintenant la pièce, si vous trouvez que j'ai fait un peu de rangement, ou en fait j'ai rien fait. Et puis évidemment il me reste encore des choses à trier, il me reste des choses à faire, mais on est bien parti. Alors quand on monte dans ma pièce par les escaliers, on a cette vue là dès notre arrivée. Évidemment il y a toujours ce long meuble de rangement, ce qui est très pratique en dessous le mur comme ça qui est biseauté, mais honnêtement j'ai pas rangé beaucoup de choses, j'ai trié un petit peu, j'ai organisé et j'ai pas fait des trucs de dingue. Ici ce sont des trucs à donner à... c'est des boîtes vides souvent, donc ça je sais pas encore quoi en faire. Donc là, il y a ma machine à coudre et celle de ma fille. Ici, quelques petits papiers avec le rideau pour ma fille que je dois absolument coudre. Ici, je crois qu'il y a voilà, du petit truc de bricolage. Je vous montre rapidement, mais dans ce placard-là, c'est que des albums photos. Depuis que j'ai débuté les albums photos, donc ça fait un petit bail. On a le tiroir à couture ici. Ici, c'est le tiroir à photos. Pareil, avec les photos, la lavabe, etc. Les carnets de mes enfants, là, les fameux journaux de mon bébé. Donc tout est ici. Dans ce dernier placard, ce sont des rangements scrapbooking avec des boîtes de papier et des albums de scrapbooking. Le fameux bureau que mon mari utilise quand il est en télétravail, donc c'est ici. Hein. Vous avez vu, il a un espace propre, rangé, sa petite chaise Ikea. Et puis de l'autre côté, j'ai mis 2-3 petites décos. J'ai sorti les fameux crayons à action. D'ailleurs, il m'a dit que j'avais fait exprès de les mettre là pour qu'il les trie. Il m'a dit, tu les as mis en bazar et tout. Sauf que je les ai sortis juste des boîtes du magasin Action et puis c'est tout. Donc pour lui, c'était pas trié, ça m'a fait beaucoup rire.
Là, j'ai trié et rangé mon tiroir Harry Potter. Alors, on n'a pas l'impression que c'est trié, mais si, si. Hein. C'est trié et rangé. Juste en dessous, j'ai ma réserve de produits de beauté dont je dois vous parler prochainement. Et des petites décorations. Là, il n'y a pas grand-chose. Hein, les fameuses fleurs de chez Shein. Donc là, il manque des poignées ici que mon mari doit installer. Là, c'est des petites choses de scrapbooking. Des papiers de scrap, des papiers aussi à moi. Et là, dans le dernier placard, on a du papier pour le scrapbooking. Et il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Les trois quarts viennent de chez Action ou du Canada. Ici, j'avais fait au départ une petite décoration sympa, mais finalement, je l'ai modifiée, je l'ai mis de l'autre côté. Là, j'ai mis justement tout ce qui est à vendre sur Vinted. Hein. Là, c'est la boîte de vente. Et ici, enfin là, il y a aussi une boîte vide, hein, faut que je la jette. Et là, ce sont mes petits rangements scrap que j'utilisais avant. Ça, je pense que je vais l'emmener à l'école, parce que je m'en servirai peut-être plus à l'école. Il y a des tampons, etc. à l'intérieur, donc ça, faut que je le déplace. Ensuite, ici, vous avez le fameux mur beauté, on va dire ça comme ça, mon fond de vidéo, avec tous mes rangements maquillage, etc. Donc ça, j'ai pas changé grand-chose. Je vous renvoie vers ma vidéo où je vous montre vraiment tous les détails. Je vous la mettrai dans les petits, hein, où je vous montre tous mes tiroirs beauté. Ben voilà, vraiment tout ce qui est à l'intérieur. À ce niveau-là, ça a pas changé. Hein. J'ai juste un petit peu... Ben, j'ai nettoyé, tout simplement. J'ai rajouté cette petite chose parce que j'aimerais bien économiser un petit peu et du coup visuellement je me dis que ça peut être très sympa de voir les sous qui tombent dedans. Et voilà, j'ai rien changé, ça c'est des choses à tester. Et là il y a le côté Harry Potter, j'ai gardé quand même cette dualité entre côté beauté et côté Harry Potter parce que j'aime trop. Et voilà, des petits rouges à lèvres, la petite déco. Et cette tour là c'est toujours encore une fois du scrapbooking, des accessoires de scrap, etc. Et maintenant que mon mari m'a installé ce bureau et qu'il l'utilise quand même régulièrement, je me dis que peut-être je pourrais faire un peu plus de scrap ici. Sur le côté, donc la petite tour, je l'ai laissée de ce côté-là, alors qu'à la base, elle était là-bas. Donc là, je l'ai mis là. Je vais mettre une petite planche en bois dessus pour pouvoir poser mon petit frigo. Pour l'instant, j'ai posé des choses que je dois tester de chez Shein en vidéo. Et le petit frigo, il est là, il est bien installé. C'est juste que je vais le mettre en hauteur après, avec tous mes masques frais, dont mon dernier masque Lush, des petits masques pour le visage et tout. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Et puis, alors frais, c'est trop, trop bien. Ça, c'est des colis pour un unboxing à mon retour de vacances, donc il y en aura sûrement d'autres. Ici, j'ai mis ma petite fameuse boîte à cadeaux. Donc, vous avez été nombreux à me dire que vous adorez l'idée de la boîte à cadeaux. Donc là, je pioche là-dedans quand j'ai des cadeaux à faire un peu de dernière minute. Donc, ma boîte à cadeaux, les petits cadeaux de mes élèves qui est ici avec toutes les photos de notre année de CM2. Des petites décos, voilà, j'ai reposé ça là, comme ça. Mon canapé est nickel, hein, je l'ai tout bien rangé. À l'intérieur, il y a des couvertures et tout pour nos invités. Ici, c'est des concours, donc je les laisse là parce que vraiment, faut que je m'attelle à les envoyer. Donc là, tout ce qui est concours est là. Il me reste à ranger tout ça qui est de la papeterie et ça que je dois donner. Donc voilà, il y a juste cette partie-là où je dois ranger et ça, je dois le... Je sais pas si je le vends ou je le donnerai à Emmaüs, je verrai bien. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker de suite si vous aimez un petit peu les rangements, les visites comme ça, les room tours, on va dire ça comme ça. J'ai hâte de pouvoir avoir un peu plus de temps pour pouvoir faire du scrap, mais malheureusement avec trois enfants, ma classe, mes passions, mes vidéos, je n'y arrive pas. Je sais que vous êtes nombreuses à me dire que vous aimeriez bien que je refasse un peu de vidéos scrapbooking ou plan with me et tout ça. J'espère pouvoir le faire. J'ai prévu une vidéo customisation de planeur pour la rentrée de maîtresse, donc un planeur de maîtresse. Honnêtement, si je peux, j'espère le faire prochainement. En tout cas, voilà ma petite pièce à moi, mon petit univers à moi. Et voilà, on le partage avec mon mari, même s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bazar à moi. Sur ce, je vous ai tout montré aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans les commentaires. Salut !